Allez, salut à tous les amis, c'est Lone to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'ai la patate. C'est le soir, il est 23h30, mais je m'en fous, nous sommes partis pour une demi-heure de SimCity, oh yeah! J'ai vu vraiment les retours que vous avez accordés au, on va dire, au premier épisode de cette nouvelle pseudo-série, on va appeler ça comme ça, Desert City. Le premier épisode, je viens de le sortir sur YouTube, ça fait une demi-heure et il y a déjà plus d'une... quasiment plus d'une quarantaine de vues, quasiment 50 vues. J'ai phénoménal. Et vous m'avez déjà proposé un tas... enfin un tas... non, pas non plus un tas, mais bon, 3-4 noms de villes assez sympas, dont Desertica, qui est vraiment... j'aime beaucoup Desertica. Desertica, ou alors on m'a proposé la ville de l'eau noire, je sais plus, enfin des plein de noms. Bon, on va pas changer de nom dans cet épisode-ci. Je vais attendre évidemment que vous postiez un maximum de commentaires avec plusieurs propositions, puis je ferai, je rassemblerai un petit peu tous les commentaires et puis je choisirai un nom sûrement au prochain épisode. Sachant que là je tourne le lendemain, donc le lendemain, c'est-à-dire on est vendredi, hier on était jeudi, j'ai tourné le premier épisode de Desert City et j'ai tellement envie d'y jouer et cette série a l'air de vous plaire quoi, elle a l'air de attractive quoi, j'ai l'impression, donc je me suis dit allez, j'ai envie de jouer à SimCity. J'ai vu les retours pour l'instant du premier épisode qui vient de sortir, mais bon, je me dis ça ne peut que être mieux en continuant la série, donc je me suis dit allez hop, je filme, c'est parti, donc on est là pour une demi-heure de SimCity et je vais essayer de développer, on va essayer de s'éclater un petit peu, de se détendre, c'est la fin des... enfin, pour moi c'est la fin des vacances, évidemment il y en a d'autres qui vont rentrer en vacances et il y en a d'autres encore qui vont, qui vont entamer leur deuxième semaine, voilà, moi c'est la fin. Alors voyons voir ce que nos chers amis de notre raffinerie de pétrole ont à nous dire. Oui, il a une bonne tête de winner. En construisant une raffinerie de pétrole, on pourrait améliorer considérablement notre industrie pétrolière. On pourrait commencer à transformer le pétrole brut en plastique et en carburant pour les voitures et les avions. Ah, là déjà, on a de bonnes perspectives industrielles. Je vais faire ça, mais pour l'instant, je vais augmenter voilà, le débit de pétrole, d'extraction, de forage de pétrole. On est à 4225 barils par jour exactement pour le moment, sachant que j'ai 4 chevalets, j'ai toujours pas retrouvé l'autre nom, je crois en anglais j'ai oublié comment, j'ai toujours pas retrouvé, c'est pas grave, on a la possibilité d'en mettre 10 pour chaque usine de, enfin pour chaque puits de pétrole, et bien sûr on pourra rajouter si on va dans spécialisation, dans forage, déjà un siège pétrole et bien sûr une raffinerie de pétrole qui va nous permettre de faire d'autres matériaux qu'on pourra vendre et nous faire un max de pépettes. Alors voyons voir ce qui se passe à la mairie. Docteur Vu, je m'en fous, non merci. Non merci, on va bien sûr essayer d'aller développer le plateau qui est en altitude. Bon, pour l'instant on n'a pas énormément d'argent, on gagne que 800 par heure, on a 11 000 dans le compte en banque. Bon, voilà, on va essayer de faire avec. Nous avons notre petite zone industrielle ici qui se développe plutôt pas mal. On va d'ailleurs tout de suite rajouter... Tac, désolé, ça tu vas jarter. Attendez. Ah non, il fait pas dans le sens que je veux. Attendez, faudrait que je sois comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Ouais, voilà, comme ça, ça fait des formes, ça fait une forme étrange. Ouais, donc ici, du coup, oula, qu'est-ce que tu me fais là? Il a un petit peu bugué. Ouais. Voilà. Du coup, on a tout pété ici, c'est le carnage. Mais tac, on peut rajouter de l'industrie. Ce qui fait que... bah ici, par contre, non, je vais détruire ici. Ici, je veux pas que vous développiez... vous inquiétez pas, on va changer ça. Hein. Donc... voilà, nous, ce qu'on veut, c'est full industrie ici. On va augmenter, bien sûr, la valeur du terrain. Je ne les ai pas oubliés, croyez-moi.
Hop, on va mettre un petit parc ici qui va augmenter la valeur du terrain. On a déjà pas mal de sims aisés. Bon, la demande en termes de RCI, elle descend. On a quand même une demande au niveau des logements à faible densité. Enfin, des logements plutôt pauvres. Attendez, je pense que là, nous avons assez d'argent quand même pour améliorer les routes de terre ici. Hein, histoire que ce soit un minimum décent. Mais nous sommes dans le désert. Les routes de terre règnent. C'est ça, on est dans le Far West, ici chez les cowboys. Oh yeah. Alors, on me demande plein de choses. Attendez, attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, mes amis et moi, on aimerait un... Ah, bah tiens, il me repropose la mission du feu d'artifice. On va voir. Ça pourrait nous faire 50 000 simflouz gratos. Ah, ils veulent un lieu de culte, j'ai l'impression. Ils veulent un lieu de culte. Alors, pour le lieu de culte, on va se rendre tout de suite ici. Et non, dans culture, pardon. Excusez-moi, lieu de culte. Par contre, pour lieu de culte, qu'est-ce qu'on va mettre? Une mosquée, Oh, c'est gratos en plus. Une église, une mosquée, non. Un lieu de... Un temple, ça pourrait faire marrant, un temple. Un lieu de culte moderne. Non, un lieu de culte moderne, j'ai envie. Ici, j'aurais sûrement pas la place d'améliorer avec les ministères et tout. Ah, ça me fait peur, j'ai peut-être un peu chié là-dessus. On va voir. On va voir le lieu de culte moderne, on va le mettre bon, on va le mettre ici, ouais. Non, on va le mettre à l'intérieur plutôt. Ici me paraît plutôt bien. Voilà. Superbe, un lieu de culte moderne, ça a vraiment la classe. C'est parfait. Mes Sims se sont heureux. Ah, et on commence à avoir des petits problèmes d'ordures. Alors, voyons voir. Au niveau des pompiers, oui, bon d'accord, je sais, il y a des incendies partout. Ça va, hein. Vous êtes sur le coup. Lors d'une pipe. J'ai du mal à gagner de l'argent, n'empêche. Hein. Pourtant, je vends mon pétrole. Mais c'est un petit peu chaud, quand même. Hein. Bon, on va jeter un petit coup d'œil au niveau des ordures. Alors, décharge, oui, parce que là, nous n'avons rien. Nous sommes à poil, comme qui dirait. On n'a rien. On n'a rien. Il n'y a pas d'autre ville, en fait. C'est ça, le truc. Mais du coup... Trop proche. Ah, je peux pas faire une avenue ici, c'est trop gros. Faut que je fasse une route. Ouais, je vais faire comme ça. Ici, on va faire une route droite. Voilà, quelque chose comme ça, ça devrait le faire. Et on va foutre notre décharge là-bas. Sachant qu'ici j'aimerais bien construire de l'industrie, bien sûr. Oh, je peux pas. Terrain trop pentu. Tu te fous de moi? Non. Non. J'ai plus d'argent. Enfoiré. Donc ici, ça veut dire qu'il faut que je tourne un peu plus la route. D'accord, ok. Allez, on va passer le temps vite. Il nous faut du flouze, il nous faut de l'oseille là. Ah, la demande de logement commence à repartir de plus belle. Demande de logement pauvre surtout, pardon. Notamment un peu de logement aisé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Placer un siège pétrole, ça je ne peux pas encore. Raffiner 50 barils de mazout par heure, je n'ai pas encore la raffinerie. Et ici. Il vous reste une heure, alors on va voir. Est-ce que j'aurai gagné mes 50 000? Ayez moins de 5 incendies, par contre j'ai l'impression que c'est un peu chier là. En plus c'est toutes les baraques à côté du truc qui brûle. Ce jeu se fout de ma gueule. Je sens que je vais me faire rouler là-dessus. Ah, si, je les ai gagnés. Super, 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 super. 50 000 dans la poche. Du coup, ce qu'on va faire, nous, ben, c'est simple. On va... Ouais. Waouh. Il fait faire des trucs chelous, cet outil. Non, en fait, finalement, je vais prendre un petit peu... Je vais prendre la route courbe. Non. Voilà, on va faire un truc comme ça.
Et on va voir si le... Non, ça ne convient pas. D'accord. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va détruire cette dôme. Bon. C'est pas grave. On repart. Ici, on va faire une route droite. Là, on va pas s'enquiquiner. Quoique... comment on va faire ça, tiens? Ah, on peut faire un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est bien ça. Donc, les ordures. Ah, voilà. Bah, on va foutre là, c'est parfait. Bien à l'extérieur de la ville, là où il n'y a absolument personne, et on va pouvoir se foutre. Tac. Voilà, un incinérateur de déchets, c'est parfait. Un camion, ça suffit pour le moment. Et on est bon. Les ordures, c'est bon, ce n'est plus un problème. Nous avons 35 000. Ils vont encore me saouler avec les autres. Là, je m'en fous complètement. Du coup, on va pouvoir direct commencer à faire notre première route qui va dans cette direction-là, notre avenue. Alors, on va d'abord... Voyons voir, comment on va faire ça? Ouais, déjà, comme ça, c'est bien. Oula. Alors, par contre, là, ça a fait un truc... Oh, ça fait un truc chelou. Oh, c'est pas génial. Bon, ça fait un truc vraiment étrange. Ça fait un énorme creux dans la route. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas le faire de 50 milliards de façons différentes. Voilà, on va faire dans cette direction. Bon, on va essayer de pas se ruiner. Ouais, et là, bah... Youhou! Voilà, et j'ai plus de Team Souls. Et là, on a fait un magnifique point d'interrogation qui n'est pas complètement terminé. Ah, ici, je pourrais faire une route aussi. Attendez. Est-ce que ça fera un truc potable? Ouais, ça fera un truc potable. Super, nickel. Voilà, donc déjà, on a deux entrées. Ouais, ça pourrait le faire. Je vais relier par ici. Après, je vais faire plein de petites routes. Et ça devrait le faire nickel. Nickel chrome. Nickel, vraiment nickel. C'est vraiment nickel. Bon, là, par contre, ce qu'il nous faut, c'est de l'argent. Vraiment, on n'a pas assez d'argent. On produit 4775 barils de l'heure. Les ordures, normalement, tu t'en occupes. Ramassage d'ordures dans la ville, c'est parfait. Ça roule tout seul. J'ai que 1700, ah, je gagne pas beaucoup. Mais la demande de logement, c'est vrai qu'elle est élevée là. Il faut que je développe. Eh ben écoutez, tac. Hop. Là, voilà. Et ici, on va mettre. On va mettre un petit peu de commerce. Attendez. Ici, un peu de commerce, puisque ils en demandent. Voilà. Ah, il y a des maisons abandonnées. C'est toujours celles qui sont à côté de la caserne de pompiers. Tu sais pas pourquoi. Alors qu'ils sont à côté de la caserne de pompiers. Ah, tu ne sais pas pourquoi. J'ai 2000 habitants dans ma ville. Si vous arrivez à nous faire passer la barre des 2500 résidents, je deviendrai une petite ville. Ok, d'accord. Et deux secondes. On est à 2141 habitants. Pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Sachant que là, je vais vraiment lancer l'opération Development. Bah, development quoi, you know, development. Et ici, bah là, je balance l'industrie quoi. Ici, je balance l'industrie, tout ce qu'il faut. Ah, par contre, là, on a une demande de résidents aisés. Il va falloir que j'augmente la valeur des terrains. Attendez, je suis à 2442 habitants. On va voir ça, on va essayer d'augmenter un tout petit peu. On va foutre une place. Allez, petite place, la place. Ouh là 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 là. Bonne valeur du terrain ici et ça se développe. Ah, j'aime voir ces bâtiments en construction, ces fondations, ces chantiers de partout. Je trouve ça magnifique. En plus, avec le filtre froid, il y a un rendu de couleur qui est... Que je trouve vraiment très joli à regarder. C'est agréable à l'œil, c'est doux, c'est... Puis ça va bien avec l'ambiance désertique. D'ailleurs, j'espère que la mise à jour... qu'est-ce que je dis? La miniature vous plaît. Alors, je l'ai créée en 5 minutes, mais je me suis dit, allez, hop, quitte à faire
un style désertique. J'ai tapé Google désert wallpaper et j'en ai trouvé un pas mal. Les contrastes sur la photo que j'ai utilisée étaient intéressants, je veux dire. Voilà, c'est ça. Ils étaient agréables. Du coup, bah, je l'ai chopé, hop. J'ai foutu un logo SimCity dessus et ça fait une jolie. Oh là là, j'ai un problème avec le mot. Une jolie miniature. Waouh. Par contre, j'ai une demande de logement pauvre énorme. Et j'ai perdu 600 habitants quasiment. Je suis repassé à 1800. Là, il manque de la place. Mais normal, tout le monde a évolué. Résultat, c'est un peu chaud. Là. C'est un petit peu chaud. J'ai 30 000 de thunes. Waouh. Et si pas mal d'entreprises se sont développées. D'industrie, c'est bien, ça contribue à la croissance de la ville, je gagne 1700 de l'heure, c'est bien, on va s'acheter un autre chevalet, même deux autres chevalets, voilà, et là ça va pomper, hein. Même allez, un troisième, on est un quatrième, donc là on passe à 8 chevalets de pompage, et là je peux vous dire que putain, bah ça va balancer, hein. Oh la vache, on va être les rois du pétrole. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Flash spécial! Oh putain! Les Martiens! Qu'est-ce qui se passe quand il y a... J'ai jamais eu ça! What? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Magnifique soucoupe volante! C'est quoi ça? C'est un œil? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Les ovnis nous envahissent, pardon. Mars attaque. Alerte. J'ai absolument jamais eu de catastrophe de ce type là dans SimCity. Bon, j'ai pas joué énormément, je vous l'accorde, mais bon. Quand même quoi, oui, c'est un œil, c'est véritablement un œil. Bon, là ils vont débarquer, je suppose. Qu'est-ce qu'ils vous faites? Ah bah merde, je suis désolé. Basse techno-industrielle, bah vous allez prendre cher, hein. Je m'excuse. Burgery Sim, je suis désolé pour vous, mais une seconde vous n'existerez plus. En fait, ils font quoi au juste? Ils aspirent les gens? Parce que là, il y a juste un faisceau bleu, mais c'est tout quoi. D'accord. Écoutez, c'est génial, vous servez beaucoup, vous les ovnis. Un petit peu inutile. Bon, allez, on va passer le temps vite. Hein. C'est beau, c'est une soucoupe volante. Je sais pas ce qu'elle fout. Elle aspire les gens, elle fait ça un peu partout et puis elle se casse après. D'accord, merci. On est déjà à 5100 barils. Ah, bah ça me pète mes maisons. D'accord. J'ai pété une maison qui ne devait pas être pétée, c'est pas grave. Les extraterrestres ont enlevé ma grand-mère. Ah, bah fuck. Je suis désolé, mais je pense pas que tu la retrouves de sitôt. Voilà, bon. Alors, on en était où, nous? Parce que du coup, avec cette connerie d'ovni de mes deux, là... Waouh. Attends, alors, avant... Attends, on va essayer de faire un truc... agréable. Ouais, agréable, j'ai dit. Agréable. Voilà, ça, je trouve ça classe. Une petite spirale, comme ça. Qui est rejoint par ici. Ah là là, décidément, ces reliefs à la con, c'est... Ah mais non, c'est parce que j'ai pas assez de team. J'ai pas assez de team flues, d'accord. Bon, eh bien écoutez, on va quand même développer les habitations. Hop, voilà. On met la petite zone de commerce au milieu. Voilà. Ah oui, j'ai de la demande. Vous inquiétez pas, au pire, on fera toutes les infrastructures nécessaires, toutes les routes, tous les aménagements, on s'en fout, on pourra détruire, ce n'est pas un problème. Pour l'instant, je satisfais la demande. Voilà. Là, ils vont être satisfaits, les Gugus. Là, ils vont être satisfaits. Et on va rentrer dans une période un peu plus intéressante pour nous, voyez-vous. Voyez, ça se développe, on passe à 2300 déjà, on va pouvoir améliorer notre mairie. Notre mairie qui est magnifique, voyez-vous. Bon, évidemment, il y a des... Ah, mais il y a des cactus, c'est marrant, ça. C'est marrant, ils ont pensé à ça. Allez. Ah non, c'est 5000 résidents. Ok, je me suis fait niquer, là, sur le coup, là. Il m'avait dit 2500.
Je suis à combien? 6300. Ça n'arrête pas d'augmenter. Là, c'est parfait. Là. Beaucoup de caisses de marchandises. Gérer les importations. J'exporte mon pétrole pour 9000$. Bon. Une fois qu'il sera transformé en mazout et en plastique, croyez-moi, on aura beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup plus. On va rajouter d'ailleurs, tac. Voilà, un troisième. Voilà. Et on va rajouter des camions. Voilà, moi j'investis beaucoup là-dedans. Du coup, ici, ouais, ça, on s'en sort pas mal. Niveau électricité, est-ce qu'on est bien? Bah voilà, il suffit que je... Oh là là. Ouais, non, 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 électricité, ça va pas. Tant qu'on peut avoir encore une centrale éolienne, autant l'avoir. Hein. Voilà, je rajoute... voilà. Là, on est largement en excédent. Pour l'instant, ma petite centrale me suffit largement. On mettra sûrement une centrale nucléaire plus tard. Ne vous en faites pas. Donc, on pourrait peut-être rajouter une école aussi, mine de rien, non? Ah, bah attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, gouvernement fermé, non, d'accord, ok, c'est juste à cause du problème d'électricité. Je gagne 2600 par jour. Et j'ai quand même une demande de logement assez élevée. Oh là 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 là, le logement aisé qui arrête pas d'augmenter. On va rajouter des petits parcs, des petites places naturelles, petits parcs. Des petits parcs partout. Voilà. On va augmenter ça. Et puis même des classiques. À côté, voilà. De toute façon, on pourra détruire. Je vais faire tout un réseau de routes, mais vous inquiétez pas. Bah déjà, ouais, tout un réseau de routes en parlant de routes. Déjà, vous, vous allez virer. Voilà. Mais du coup, ça fait un truc très bizarre ici. Ah, j'aime bien la forme que ça fait. ouais. Oula, oula. Non. Je vais enlever les guides là parce que les guides ça fait tout foirer. Ouah, non, j'ai pas le. Il prend trop de. Voilà, comme ça. C'est parfait ça. Voilà, bon, je pense que le niveau avenue, on est bien. Je peux peut-être faire un tour ici. Ah, ça fait un truc dégueulasse. Mon dieu! Mon dieu, mon dieu. Alors, on va refaire ça proprement. On va refaire ça proprement. Attendez, 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 attendez. Laissez faire le pro en urbanisme, s'il vous plaît, hein. Voilà, c'est bon. Et après, on mettra des petites routes. Ou alors, quoique, attendez. Oh, quoique, je peux mettre que des avenues, hein. Ah, j'ai des rails aussi. Merde. Attendez. Attendez, 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 attendez. J'ai des rails, c'est bon ça. Je vais pouvoir faire une gare. Yeah. Bah tiens, je vais la construire maintenant. Bon voilà, je pense que c'est bon. Ça fait un truc magnifique. Bah tiens, voilà, ça m'a donné envie. Direct, on part au rayon. Au rayon, on est au supermarché les amis. On part tout de suite au rayon. Comment ça s'appelle? Rayon transport en commun. Et on va choper les trains. Non approuvé, hôtel de ville amélioré en mairie dans la région, ministère du transport dans la région. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. En tout cas, ici, j'espère qu'on pourra avoir des buildings. Et j'espère que j'ai pas trop foiré au niveau place. Non, ça m'a l'air d'être bon quand même. Normalement, c'est bon. Hein. Je devrais avoir des gros buildings ici. Ok, on produit combien ici? 8400 barils par jour. Et je peux améliorer mon hôtel de ville. Wouhou! Superbe! Magnifique. Niveau, est-ce que... Ah ben voilà, déjà, je suis couillé à l'arrière. Ah, ça c'est chiant. Bon, du coup, les amis, on va ne pouvoir... On ne peut placer que deux ministères dans cette région... dans cette ville. Alors moi, je vous propose... C'est quoi, ministère des Finances?
Mystère des finances, il est pas très très utile. On le fera dans une autre ville. Ça non plus. Je pensais faire ministère des services publics au début. C'est important. Ça, quand on développera d'autres villes, ça pourra les aider. Donc ministère des services publics, comme ça on sera plus emmerdé. Et pourquoi pas, déjà on va mettre ça. Et pourquoi pas après ministère de l'éducation. Même si je compte pas en faire une ville. Non. Quoique je peux mettre. Ou alors on fait ministère des services publics et finances. Voilà. Et après on fera dans une autre ville éducation et sécurité. Ouais. Déjà je vais mettre service public. Ah mais si je peux le placer. Ah mais j'ai rien dit. Je vais mettre pour l'instant ministère des services publics. Voilà. Ministère des services publics, comme ça on est bon. Ah ça fait plaisir. Du coup bah ici ça va se développer. C'est parti. Attendez, donc ici des zone commerciale, là, voilà, ici, non, zone commerciale, pas du tout. Là, on va encore développer les habitations, très important. Et on va augmenter la valeur des terrains, croyez-moi. Allez, et puis on va rajouter une petite école, là, parce que, bon, il faut quand même que le niveau d'éducation soit acceptable, de rien. Ah, attendez, ici, il y a un bâtiment abandonné, on va virer ça tout de suite. Alors, école, on va se faire une petite école primaire, voyez-vous. Alors, je vais la placer. J'aimerais bien la placer ici. Voyez-vous. Est-ce que. Oh, ici aussi, je perds un peu de place. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est pas très. Non, c'est pas très bien optimisé ça. Non, 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 je fais une connerie là. Là, je fais une connerie. C'est pas bien optimisé ça. Alors, la question c'est est-ce que je fous une avenue ici ou est-ce que je mets une petite route? Je serais d'avis pour foutre une petite route. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben voilà, c'est pas mieux comme ça. Hein? C'est pas mieux comme ça. Ben voilà. Bon, alors, sur ce, école primaire, disais-je. Sachant qu'il va falloir que je place un lycée aussi. Ben, l'école primaire, voyez-vous, on va la foutre là. Ça me paraît bien. Petite école primaire ici. Elle est bien placée. On mettra un collège dans les environs. Ici, on aura plein de gros buildings, machin et tout. Ça va être superbe. Waouh, on a un premier immeuble, un premier commerce. Assez intéressant. On va foutre des arrêts de bus. Enfin, on va poser des arrêts de bus, pardon, je m'exprime mal, décidément. Hop, voilà. Tac, regardez-moi comment ils sont heureux. Hop. On va bien sûr se rendre dans les quartiers sud. Et voilà. Et bien sûr, un devant l'école, voilà. Bah là, je crois qu'on est aux petits, hein. On est aux petits oignons. Pardon. C'était mauvais. Très mauvais. Et j'ai 83 000 cibles flouzes. On met bien sûr le petit panneau avec la petite pomme. Et le petit drapeau avec la petite pomme. On va bien sûr ajouter un deuxième bus parce que c'est peut-être pas assez. Et une classe parce qu'on sera vite débordé. Voire deux, voilà, comme ça. Voilà, comme ça on sera plus embêté. On va pouvoir faire face à l'avenir. On a déjà 8500 habitants. Criminalité, pardon. Trop élevée. Eh bien écoutez, on va mettre poste de police. Poste de police. Que l'on va foutre ici. Voilà, ici. Précisément, notre petit poste de police. Alors, on va lui mettre le petit drapeau. J'adore faire ça. J'adore éditer, mettre les petits panneaux, les petits... Et ça sonne déjà. Il y a déjà un crime en cours. Voilà, j'ai dépensé 20 000. Là, vous avez 10 crimes commis par jour. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes avec 10 crimes commis par jour. Là, rien ne va plus. Voyons voir. Qu'est-ce donc quiproquo entreprise? Nous faisons de gros bénéfices. Ah, c'est bien ça. Au niveau du RCI, ça s'est un petit peu calmé. Ah, quand même, une demande des populations aisées assez élevée. Bah écoutez, c'est parti, hein. Et que je vous mets de la place. Allez, sa place là. Hein.
Attendez, je vais vous mettre de la place. Et plein de place là. Voilà. Et là, là il y a du riche là. Là il y a du riche. Il y a tout ce qu'il faut. Ah là ça se développe là. Là c'est bien là. Là il y a de la thune qui se ramène. Il y a de la richesse. J'aime ça. Ici on va développer les routes. Parce que là, bon, hein. C'est pas non plus la préhistoire. Je sais qu'on est dans le désert, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon. Faut pas exagérer non plus. Je vais améliorer ça. D'accord, ok. Oh, je suis stupide. Oh, je suis stupide. Je viens de penser à un truc. Charbon. Oui, je suis stupide. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, de toute façon, c'est... Ah, ok, il y a pétrole en plus ici. Pétrole et charbon exactement au même endroit. Ok, bon, j'ai développé les habitations ici, mais c'est une erreur. Écoutez, ce qu'on va faire... vire-moi ça. Ici, là, on va virer tout ce qu'on a construit. Déjà, on va virer... Voilà. Voilà, ça, tu vires. Ok. Et maintenant, tu pètes tout. Je pète tout. Et là, je vais développer l'industrie, le pétrole. J'ai fait une erreur ici, en fait. J'aurais pas dû construire. J'ai fait ça sans réfléchir, c'est de ma faute. Ne vous inquiétez pas. Alors, ah oui, ma petite clinique. Comment elle s'en sort, ma petite clinique? Qu'est-ce qui se passe? De nombreux cibles sont malades. Un mort par jour. Ah bah oui, effectivement. Bah, je vais rajouter une ambulance. Parce que là, c'est vrai que... On va rajouter une deuxième chambre. Voilà. Voilà, ça devrait pallier au problème au niveau haut. Est-ce qu'on est bon au niveau haut? Ouais, on a encore... ouais, ça va. Franchement, ça va. Je me débrouille pas trop mal. Et on va faire... bon, j'ai dit une demi-heure, mais j'ai envie de jouer. Donc, au final, on va faire un peu plus. Oh là là, décidément, je suis imprévisible. Donc, hop, on va... alors, est-ce qu'on reste sur le pétrole ou on fait un petit peu de charbon? Non, de toute façon, il va falloir faire un à la fois. Donc, pour l'instant, je me spécialise. Ouh, putain. C'est vrai que c'est un peu chaud, là, niveau... Ah, je vais la placer comme ça. On va d'abord spécialiser dans le pétrole. Ah, ça plaît pas. Bah, 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 augmentez la valeur du terrain, s'il vous plaît. Oui, je vais l'augmenter. Ne vous inquiétez pas, les amis. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Bon, évidemment, le pétrole, ça va ne pas plaire à tout le monde, évidemment. Mais c'est comme ça. Je suis désolé, les amis. Vous êtes dans une ville où le pétrole règne. Donc, ici. Je vais placer là. Je vais en placer un autre. Hop, on va continuer le chemin là. Vous voyez, j'ai une grosse nappe de pétrole à exploiter. Ouais, non, il faut. Ah, j'ai plus assez de cibles. Bon, voilà, j'aurais développé d'autres puits de pétrole. Là ça va produire en masse. Ça va vraiment produire en masse. Du coup, je vais rajouter des camions de transport de pétrole. Je vais en rajouter. Ah, j'ai pas assez de Simsou. Je me suis ruiné pour cette connerie. Du coup, ici, je vais rajouter des camions aussi parce que là on produit 8400 barils par jour. D'ailleurs, je peux encore augmenter. Je gagne 2500. Oh là là, j'ai une demande de RCI. Ah, habitat pauvre. Ouais, 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 habitat pauvre. Habitat pauvre. Bah écoutez, on va en mettre ici de l'habitat pauvre. Voilà. Là, vous en avez de l'habitat pauvre. Voilà, c'est parfait ça. Ah, du coup, j'ai pas réaugmenté le. Ça, on va développer le commerce. Voilà, donc ça se développe. J'ai... Ah, par contre, j'ai perdu beaucoup d'habitants. Eh ouais, ouais, ça varie pas mal. Donc, on est déjà donc 1000 barils par jour. 34 000. C'est la folie, les amis, c'est la folie. Donc, ici, je vais rajouter des camions. Puisqu'effectivement, c'est pas assez. Hein. Je vais rajouter 3 camions. On va voir si je vends plus vite. Ici, pareil, on va rajouter 3 camions. J'ai pas assez de Sinsulus 2, ça suffira pour l'instant. Ok. D'ailleurs, les marchandises, je vais virer ça parce que ça ne me sert pas du tout.
Que ça. Voilà, et je vais plutôt construire autre chose. Stockage de pétrole encore. Et après, on fera du stockage de mazout dans un autre. Pétrole brut, exportation. 8 barils par jour, c'est pas mal. 72 000 K, c'est bien ça. C'est bien. Évidemment, le prix de la matière première, du pétrole et autres minerais, varie en fonction du marché mondial. Hein. C'est offre et demande, oui. Bon, là, le prix est à 9000 simflouz, je crois, je sais pas combien de barils, je crois 8000 barils, non, je sais plus à combien, non, eux, ils vont me saouler. Bah, ici, je vais encore développer de l'industrie, hein, écoutez. J'ai rien d'autre à construire pour l'instant. Là, par contre, il faut que je développe. Allez, voilà, plus de camions, parce que... On est comme ça, nous. Bon. Ah, j'aime quand ça se passe comme ça. C'est vraiment agréable. Et ici, une fois qu'on aura tout pompé, parce que c'est pas à l'infini, bien sûr, le pétrole, ça se réduit au bout d'un moment. Évidemment, ça se réduit. De toute façon, je serai obligé de tout pomper dans ce coin-là. D'ailleurs, je vais faire... Ah oui, c'est vrai qu'on peut... Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Pour l'instant. Et hop. Après, je devrais construire une autre raffinerie de pétrole. Hein. Faut que je fasse gaffe pour tout pomper là. Mais regardez-moi ça. Comment ça pompe bien d'ailleurs. Ah, bah, du coup. Quand j'y pense, je vais pouvoir me faire un siège pétrole, non? Extrayer 9600 barils de pétrole brut en une journée. Pour l'instant, j'ai fait que 7800. Ben, on va réussir, du coup, là. Là, je suis à 8525. Je vais réussir à en produire plus. C'est obligé. Regardez le nombre de chevalets. Ça ne cesse d'augmenter. Ici... Ah, ça se remplit, ça se vide, ça se remplit. Ben, pareil, ici, je vais augmenter le nombre de camions. Et voilà. 3 camions pour aller vendre le pétrole. Ouais, ça se remplit, ça se vend. Je jetterai un petit coup d'œil aux cartes. Ah, on a de l'habitat, des petits immeubles. Ici, ben, transport, hein. Hop, voilà. Faut que ça parte. Mais du coup, ça fait vivre la ville, hein. Ça participe au développement, hein. Évidemment, le pétrole. Ici, je vais pouvoir rajouter encore des chevalets. Voilà. Pas assez de simflouz. Là, je développe à mort le pétrole. On est à 3000 barils ici. Je vais pouvoir bientôt... C'est bon, je peux construire le siège pétrole. Il me faut 37 000. Bah, du coup, on va le construire dans cet épisode et puis on va s'arrêter là-dessus. Hein. Oh, on se sera bien développé. Franchement, bon épisode. On aura construit une petite école qui a l'air d'être... ouais, pas mal utilisé. 550 Sims ont étudié dans cette école primaire hier. Bah, c'est pas mal. On est quasiment, je m'enflamme. À 8000 habitants, bientôt les 10 000. L'industrie, vous voyez, se développe. Voilà, des camions qui vont vendre du pétrole. On arrive quasiment à 10 000 pétrole par jour. On a des bâtiments de moyenne densité qui se développent de plus en plus. La criminalité nous préoccupe, ne vous inquiétez pas. Ah oui, effectivement. Criminalité, j'avais pas fait gaffe ça. Mais écoutez, on va rajouter de la cellule, hein. Voilà, 10 crimes commis par jour. Ah, c'est vrai que là, ça commence à être chaud là. Bon, là, vous avez de la place normalement. Pétrole, 13 823 barils par jour. Et quand on va faire du plastique et du mazout, je peux vous dire qu'on aura les couilles en or. Et on va se faire une gare, bien évidemment, aussi. Là, il faut 15 000 habitants. Ça augmente. Criminalité est élevée. Bah, écoute, je vais augmenter le nombre de patrouilles. Hein. Hop. Là, il y a de la patrouille. Il n'y a plus qu'un crime commis par jour. C'est bon. Mes policiers sont efficaces. Ah, vais-je dépasser le baril. Il faudrait peut-être que je fasse un autre entrepôt commercial. Ou alors, là, je vais rajouter un camion.
Ah là là, le pétrole, ça marche bien, ça marche très bien. Mais du coup, faut que j'économise, moi, je suis stupide. Je dis que je vais faire... Que je vais construire le siège pétrole et je n'économise même... Je n'économise même pas. Purée, c'est le soir. En plus, j'ai le nez bouché. Ça fait 30 ans que j'ai le nez bouché. Ça ne s'arrête pas. Siège pétrole, qu'on va placer. Bon, on va le placer où, le siège pétrole? Ici, là, en face, hein. Bon, on va le mettre ici, à la place. On va mettre notre siège pétrole. Ouais, ici, j'ai pas vraiment optimisé. Attendez. Attendez. J'ai déjà 24 000 de thunes. Ça ne veut plus rien dire. Ici, ouais. Ouais, j'essaie de... Voilà. Voilà, bon, je perds un petit peu de place, mais bon, j'étais obligé. Voilà, comme ça fera un accès routier ici. Du coup, là, on arrive à... Non, j'arrive pas à dépasser les 10 000, hein. On est à 10 000 habitants, qu'est-ce qu'il me veut? Ah, je peux construire la maison du maire. Bah tiens, je vais la construire, mais 2 secondes. 2 secondes, d'abord, je construis le siège pétrole, mes amis. Siège pétrole, yeah. Le siège pétrole, les gars. J'aurais peut-être dû le foutre ici, puisque... C'est là que... Non, c'est pas grave, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, c'est magnifique. Mon siège pétrole est construit, fermé pour processus d'embauche. Profit quotidien en pétrole, j'ai déjà 108 000 simflous de profit. Oh vraiment, c'est... Là on sent qu'on est en plein boom économique. Les entrepôts sont pleins, c'est la folie, c'est vraiment la folie. C'est la folie, regardez, je gagne du pétrole, je gagne du pétrole. Je gagne du pétrole. Je gagne de l'argent. Oh là là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Ici, qu'est-ce qui ne va pas? Tac. Ouah, il y a plein de maisons abandonnées. Faut que je fasse attention. Bon, allez, on va construire. Ouah, il y a déjà des... Ouah, des maisons de riches. On va construire la maison du maire. Oh putain, attendez, là je sens qu'il y a plein de problèmes. La maison du maire, on va la foutre. On va la foutre là, la maison du maire. Voilà, maison du maire. Comme ça, tout le monde est content. Alors, électricité, c'est déjà la merde. Bah oui. Eh oui, bon, là, merde. Oh, j'ai fait le con là. Putain, je l'ai. J'ai appuyé sur le bouton éteindre comme un idiot du village. Ça, je l'ai pas construit. Ouais, là par contre, ça risque de plus de servir. Bon, là, j'ai fait vraiment le con. J'ai éteint. Ah, mais du coup, fermé pour processus d'embauche. J'ai vraiment fait le con là. Ah, bon, c'est bon. Normalement, ouais, ça va, ça va. Non, il va falloir que je centrale à charbon. Hein. Ça consomme du charbon. Bah écoutez, une fois que j'aurai développé mon industrie de charbon, mon extraction de charbon, le charbon qui, je vous rappelle, hop, il est en plein milieu de la nappe de pétrole également. Bah, c'est pas grave, je vais faire une zone ici pour le charbon. Et on se fera une centrale à charbon, ce sera beaucoup plus rentable. On arrive déjà à 45 minutes. Attendez, je n'ai pas fini, je veux faire des choses et choses. Ah non, c'est limite, hein, c'est limite, c'est limite. C'est limite, c'est limite. Du coup, on va virer. Ah, j'ai pas le choix là. J'ai pas le choix pour l'instant. Là, les éoliennes, ça va produire, hein. Bon, niveau eau, c'est la merde aussi, je suppose. Hein. C'est la grosse cata. Ouais, il y a de l'eau un peu partout. Pompage ici, ok, on est repassé. Là, c'est le caca. Hein. Il faut une station d'épuration, là. Ah, ça coûte 64 000. Bah, j'ai assez, je vais la faire. Je vais la faire dans une zone, voilà, ici. Augmenter la route. Station d'épuration. Quoi? Qu'est-ce que tu me saoules? Voilà, petite station d'épuration. On va rajouter. Ah, j'ai pas assez de simflouz. Bon, là, ça suffit largement. Ok, station d'épuration. J'arrive à. Tac,
Du coup, ça... Attendez, on va attendre que le processus d'embauche soit terminé. On est déjà à 45 minutes, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, c'est trop vite, c'est trop vite, c'est trop vite. Du coup, ça, je le pète. Voilà. Ah, parce que là, le sol commence à être noir un petit peu, là. Ça commence à être pollué, ici. Bon. Du coup, c'est mieux. Ok, bah, tout va bien. Résultat, tout va pour le mieux. C'est magnifique, regardez-moi cette ville. Fermé pour coupure d'eau. Non, coupure d'eau, normalement, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Donc, les amis, on va cesser là. On est à 45 minutes. Oh là là, j'ai dépassé. Mais ici, je vais déjà pouvoir améliorer. Oh là là, ça se développe. Non, mais regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Attendez, je prends juste cette mission et on se laisse là. Nous sommes maintenant dans une petite ville pour être considérée de banlieue. Il nous faut au moins 15 000 habitants. Oui, d'accord. D'accord, d'accord, on est à 13 000 habitants. Bah écoutez, c'est superbe. En tout cas, les amis, j'espère que vous appréciez cette série. Moi, j'adore. On va faire un truc phénoménal sur cette région. Je le sens, je le sens, je le sens. Voilà, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit j'aime. Et puis à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.